Ah, tout à cause de Denis là. Allez. Ok, on va où encore? Mais là! Ah putain, il y a un arbre! Ah non, non. Je te filme, moi c'est déjà un métier. Ah, il n'a pas laissé une paire de couilles, bon, mais c'est pas marrant. Tu sais qu'est-ce que c'est qui fait la protection de l'intérieur? C'est la mousse. Non, mais là où tu vas aller, il n'y a pas de chemin. Quoi, J'aurais une chose, là, le gros putain qui correspond à une grosse gamelle que... Et bon, il était content parce qu'il était pas trop... Il était rouge, il était bien. On ne peut pas trop bien lâcher les freins parce que c'est vraiment c'est gras, il y a des branches et tout. Je pense que c'est pas là, mais c'est quand même joli. Le problème c'est quand même toute la montagne. C'est le plus dur à faire voir en Samas, c'est le plus mieux. Mais... Là on monte jusqu'à... Putain. Tu sais où on va, Denis? C'est pas beau ça quand même, regardez. Là, là on est sur un petit morceau qu'on avait fait de nuit. Regardez. Bon mais on va pas voir fier. Y aller. Non, elle est trop bien. Mais on a fait une sacrée distance quand même. Aujourd'hui on a roulé un peu. Bon Denis, quand je suis pas là, il roule plus que ça encore, mais bon lui c'est. Alors c'est pas beau quand même. Regarde. Oh putain de Dieu! Ah, ça me coule par les jambes!
merde, c'est pas beau là. Regarde si c'est pas beau là. Regarde à droite là si c'est pas beau. Tu veux quoi de plus? Oh con, mais comment t'as fait? T'as même pas le cul sale. J'ai pas mis le garde-boue. Oui, justement, comment t'as fait? Il n'a pas encore regardé alors. Quoi, j'ai mal au cul. Je commence à avoir mal au cul, chef. Là c'est à droite. Ouais ouais. T'as rien ou pas du tout? Vous l'entendez râler derrière, non? Il a dit que c'était moi la gueule, vas-y, vas-y. Je sais pas pourquoi il râle. Tiens, Denis, le cheval, il t'a vu, il rigole. Eh, le cheval, quand il t'a vu, il a rigolé. Ouais, c'est quand il t'a vu à toi, ça.
Allez. De rando qui était sympa, 49, mais j'ai fait 50 bons parce que j'ai pas allumé le GPS d'entrée, donc voilà. Maintenant, un petit coup de juste de lavage vite fait là, déjà de dégrossir parce que là il y en a besoin, on va nous le rentrer quand même. Voilà, là, vous voyez, je laisse agir. Après, un petit coup de brosse quand même, j'y mets moi. Je suis même pas obligé, en principe ça part bien tout seul comme ça, mais j'y mets quand même un petit coup de brosse, c'est pas le cool de le temps que ça prend. Donc voilà, franchement, il est nickel. Mettre un petit coup de soufflette juste pour le sécher moi maintenant, et puis je vais graisser un coup par la chaîne, et puis c'est prêt pour la prochaine rando. Enfin, peut-être que je vais regarder 2-3 bricoles quand même. Allez, je vous laisse coup-ci. Ciao tout le monde.